Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un kit de la boutique en ligne Gadu Création. Il s'agit d'une corbeille à base ronde dont les côtés sont penchés. Celui-ci c'est le grand modèle et comme je vais vous faire le petit modèle, je ne peux pas vous le montrer. Donc je vais vous montrer quand même la boîte en éclaté. Tout d'abord, je vous présente le kit. Il est constitué d'un carton de base, que voici, d'une ceinture encochée et d'un socle supérieur. Pour créer le volume, j'ai conçu des montants. Ceci. Il y en a 20 qui se répartissent dans la base et symétriquement dans la ceinture supérieure. Une fois qu'on a posé les 20 cartons, il nous restera ces 4 cartons. Ils seront placés contre de part et d'autre, un à gauche, un à droite d'un carton, ici, et en face aussi. Le but, c'est de créer une épaisseur supplémentaire, une largeur supplémentaire, pour recevoir les cartonnettes de pente. Sinon, la cartonnette, il faudrait la démarrer à la moitié du carton. Donc, j'ai préféré rajouter deux épaisseurs. Ça facilite le démarrage et la pose des cartonnettes. Les cartonnettes, les voici. Il y en a deux demi à l'extérieur en première couche, deux demi à l'intérieur en première couche, ensuite il y a deux demi à l'extérieur en deuxième couche, habillés de papier ou de tissu, et à l'intérieur aussi deux autres couches. Une cartonnette de fond, et avant, on rajoute une cartonnette de centrage qui est identique à la cartonnette de fond, qui se met sur le trait que vous voyez sur la base, exactement ici. C'est la première opération qu'on fait. On positionne, on colle la cartonnette et après on met les montants. Et une fois que l'ensemble est fini, on vient habiller le dessous avec la cartonnette sous socle. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet ouvrage. Je mets tout ça de côté, tout ça. Je vous montrerai à la fin comment j'habille. Donc les montants, je les mets là. Voici donc l'ouvrage en partie monté. On voit les montants. Bon, les montants, c'est pas dur à mettre. Un montant, par exemple, ici, il n'y a pas de sens. Que ce soit comme ça ou comme ça, c'est pareil. Il faut le mettre en bas d'abord et en haut. On les met tous en bas, on retourne l'ouvrage et on vient positionner les montants dans le trou. Clac. Voilà, vous verrez, c'est facile à faire. Une fois qu'on a donc mis la cartonnette et les montants, on vient coller donc le voilà, on voit mieux le deuxième carton, là, le carton le contre-montant. Oui, il y en a un ici. Et le deuxième, ben forcément, il est caché parce qu'il est sous la cartonnette. On peut démarrer par l'extérieur ou par l'intérieur, c'est pareil. Donc là, j'ai mis la première couche intérieure. Vous voyez un petit jeu. J'ai fait exprès parce que si j'avais fait trop serré, un des deux cartons aurait pu monter sur l'autre. Donc je préfère avoir un jeu. C'est pas gênant. Parce que dans la deuxième couche, nous allons alterner en quinconce comme ceci, une moitié vers là et donc du coup la moitié vers ici. Par contre celle-là, elle est à la bonne longueur. Voilà. Donc ce que je conseille de faire, c'est toujours de poncer en bas pour affiner l'angle,
pour le faire descendre au maximum. En haut, on peut poncer un petit peu l'arête en haut, ici. L'arête ici, sur la deuxième couche. Par contre, sur la première, je vous conseille de poncer dessous, pour rapprocher au maximum dans le coin ici. Comme ça, ça arrive pile ici. Voilà. Et l'extérieur, pareil. Donc, je vais prendre l'extérieur. L'extérieur 1. Oui, j'ai poncé ici. Et j'ai poncé ici. Et donc, si je le mets comme ça, là, contre. Ici, je fais le tour comme ceci. Ça rejoint l'autre côté. Et vous voyez ici, on voit la partie brunie du carton. Il faudra la poncer comme j'ai fait ici. Parce que la couche suivante à l'extérieur, la P2, elle ne s'arrête pas en dessous du carton. Elle vient jusqu'à l'extérieur. Donc, comme ceci, elle est sensiblement plus longue. Vous voyez, elle part du bas ici et elle arrive en haut. Et si je fais le tour ici, ça a été poncé. Si je fais le tour de là, par exemple, si je la mettais comme ça, il y aurait un espace dû le fait que je n'ai pas poncé. Donc, je reprends ma première couche extérieure P1. La première P1 va dessous aussi. Donc, et s'arrête en bas. Fait le tour. Ensuite, je prends une poncette. Une poncette comme ceci. Et je viens poncer. Une fois que je la pose là. Je viens poncer comme ça. J'enlève la partie, la petite verticale du carton. Voilà. Je ponce bien comme ça. Pour retrouver donc le même sens. Jusqu'en haut. Voilà. Alors c'est la P1, la P2, voilà. Comme ça, à la couche suivante, ça sera nickel. Voilà. Et là, j'ai fait une croix. Comme ça, je sais le point de départ de la première couche et le point de départ de la deuxième. En quinconce par rapport à la première. Oui. Concernant l'habillage, donc on colle, on met la colle ici, on retourne sur le papier. Et le rembord, il sera de 7 mm. C'est pas la peine de mettre plus. Parce que ici, la ceinture du haut, si mes souvenirs sont bons, elle fait 15. Donc 7 mm de dépassant, ça suffit. 7 vers ici et 7 vers ici, comme ça les deux papiers ou les deux tissus ne vont pas se chevaucher et ne vont pas créer une surépaisseur. Pour faciliter donc le pliage du rembord, je conseille de franger à la moitié de 7. 4 mm maxi. Voilà. Et pareil pour le dessous. Et vous verrez, ça va épouser facilement. Pour la carte nette qui va dedans ici. Un rembord de 3 mm suffit. On le met en premier. Et après, donc là, je prends ma carte nette I2, c'est l'intérieur. Voilà. Je mets mon petit repère ici pour savoir en face à face, pour savoir où je vais démarrer. Je mets ma première moitié. Et je laisse le papier dépasser ou le tissu dépasser là de 3 mm. Et la dernière, suivant l'épaisseur de papier, il faudra peut-être enlever un demi-millimètre à droite et un demi à gauche. Parce que vous allez remborder avant de le mettre la carte nette dedans. Donc on remborde, on crée une épaisseur et on regagne le demi-millimètre que j'ai enlevé. Sinon, la carte nette va venir sur l'autre. Or, il faut qu'elle vienne contre. Vous avez aussi la possibilité, comme la boîte que j'ai faite, vous pouvez aussi faire comme ceci. Vous placez votre tissu, votre papier, vous assemblez les deux. Voilà, vous gardez une en place, vous en collez, vous la mettez, vous enlevez la deuxième, vous en collez et vous la remettez. Et ainsi, quand vous aurez cintré les deux,
et vous n'aurez qu'un raccord. C'est une possibilité aussi. Donc pensez à soit vous faites une coupe nette ou soit vous enlevez le petit millimètre avant. Moi j'ai fait une coupe nette, j'ai coupé c'était un tissu enduit, pardon, je l'ai coupé en biais en inclinant vers là et vers là pour affiner l'angle et le raccord est à peine visible. Une fois que vous avez habillé l'habillage, il vous reste le fond à habiller, le dessous, oui, ici, et ensuite la ceinture. Là, donc le socle supérieur qui vient dessus. On laisse le tissu ou le papier dépasser de 7 mm, on remborde à 4, on franche à 4 mm et on laisse 3 mm. Comme ça, vous aurez l'épaisseur du carton plus un petit peu et on ne verra pas du tout, on ne voit pas du tout les franches. Et ça dépasse, je n'ai pas fait dépasser de beaucoup, je trouvais que c'était pas la peine. Sinon, ça élargit le socle supérieur. Voilà. Et un petit renseignement complémentaire. Pour différencier les cartonnettes de la couche numéro 1 et la couche numéro 2, intérieur, extérieur, il y aura un petit code A, B, C, D, je ne sais plus. C'est Martin qui s'occupe de ça. Comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper parce qu'il y en a qui sont légèrement plus hautes, d'autres sont légèrement plus longues. C'est normal, quand on rajoute une couche, c'est forcément plus long ou plus haut. Voilà, je vous souhaite un joli ouvrage.